Alors, rebonsoir, en attendant que les autres arrivent, s'ils arrivent ou pas, écrivez-moi et dites-moi d'où venez-vous. Alors très bien, j'ai préféré je crois ce que Malèche a dit, je viens, alors faites attention, la préposition devrait être de, je viens de la cuisine. C'est vraiment formidable Malèche, merci beaucoup, une petite touche d'humour, c'est toujours sympathique. Alors, très bien. Allez, on va commencer. On va attaquer directement, si vous voulez bien. C'est classique, hein, comme d'habitude. On attaque avec une petite vidéo. Youpi, ça marche maintenant. Décrivez la scène, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écrire une phrase pour décrire la scène. Donc bonjour tout le monde, hein, parce que là, je vois que les gens viennent de partout, c'est toujours sympathique. Jordanie, Madagascar, Syrie, Ouganda, Roumanie, les cœurs brisés, le Vietnam, Moscou est là, Barcelone, Boston, dans ma chaussette, et l'Afrique du Sud. Et la Norvège aussi, la Norvège est là. Alors, Samantha nous propose, elle se promène avec son enfant, c'est très bien écrit et l'accent grave est là, c'est vraiment formidable. Marwa nous dit, la femme promène son bébé, très bien aussi, et là vous utilisez promener, promener quelqu'un, elle promène son bébé. Ice Cubes, bonsoir, très bien Ice Cubes, vous pouvez attaquer directement, vous connaissez l'exercice, décrivez la scène Ice Cubes s'il vous plaît. Ashley est là, oui, il y a une deuxième leçon. Deux pour le prix d'une, monsieur, je suis là.
Alors, Cristiano, idéalement, vous conjuguez votre verbe, s'il vous plaît. Donc, elle promène le bébé, d'accord? E, accent grave, et à la fin, pas de R. Julia nous dit, une femme marche dans la rue avec un bébé dans un truc bleu. On appelle ça une poussette. Il y a beaucoup de gens autour d'elle, A-U. T-O-U-R, c'est peut-être une fête. Très bien, Irène nous dit, la femme est en train de porter son fils en le parc. Alors, ouais, vous diriez plutôt au parc, hein, et puis porter, plutôt pousser, hein, elle pousse la poussette. Porter, c'est vraiment quand elle le prend dans ses bras, Irène, donc faites attention. Ibrahim nous dit, la femme prend son bébé masculin, pour se promener et pour perdre du poids, d'accord. Rinda nous dit, la femme se promène avec son bébé, d'accord. Ice Cube, c'est une vidéo de l'été dernier. Souvenez-vous, dernier va venir après. L'été dernier. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce que je vous laisse une petite minute? Ou est-ce qu'on attaque avec l'exercice suivant? Berilla nous dit, une femme marche dans le parc avec son enfant dans une poussette. Très bien. Il fait, faites attention pour l'adjectif, B-E-A-U. Il fait beau, d'accord. Rory nous rejoint et pour nous dire, c'est une scène, accent grave Rory, il y a beaucoup de temps quand le virus n'est pas arrivé, ou peut-être avant que le virus n'arrive. Joseph nous dit, la dame marche avec son bébé, derrière la dame, il y a beaucoup de gens qui regardent quelque chose que je ne sais pas. Ah, vous pensez que c'est une... Il y a quelque chose derrière elle, très bien. Classis nous dit, la maman s'occupe de... Faites attention, Classis, bébé, c'est toujours masculin. Un bébé, même si c'est une petite fille, c'est un bébé. Alors, Marouin nous dit, la femme fait une promenade. Écoutez, Marouin, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent écrire ou pas? Est-ce qu'on attend une seconde ou pas? Alors, attendez. Alors, Oumena nous dit une maman. Faites attention, c'est une maman se promène, se promène avec son bébé. Ben écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup, Oumena. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, regardez, c'est les participes passés. Alors ça, c'est pas olé olé, hein. Faites attention, vous allez probablement me détester, mais je dois faire mon travail. Regardez. Alors l'exercice, ça va être comme ça. Nous aurons le verbe à l'infinitif, nous aurons la traduction en anglais du verbe pour vous aider, mais je voudrais que vous m'écriviez le participe passé. Et nous allons voir des verbes qui sont des verbes, bien sûr, irréguliers. C'est ces verbes-là qui sont les plus difficiles. Alors, nous commençons avec le premier verbe. Le premier verbe, c'est le verbe absoudre. Est-ce que vous connaissez le participe passé du verbe absoudre? Allez-y, faites-moi des propositions.
Alors, je vois que vous commencez à me faire des propositions. On va attendre encore un petit peu pour que d'autres personnes proposent Ice Cube, ce qui dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas, les participes passés. » C'est pas grave, Ice Cube. Je ne me souviens plus, mais il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de verbes. Pas de stress, on va passer à un exercice après. Notez les verbes, c'est intéressant quand même. Hein. Écrivez-les quelque part. Allez, je vais vous soulager. Le verbe, effectivement, donc c'est absoudre et le participe passé, c'est absous. Et je sais que c'est pas facile, ce ne sont pas des verbes qui sont très faciles, mais comme j'ai expliqué, je propose des exercices faciles et des exercices un petit peu plus difficiles pour que tout le monde soit content. Alors, Ashley, il préfère prévenir. Hein. Il dit non, 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 je ne suis pas un spécialiste. Allez, on regarde le prochain. Abstenir, s'il vous plaît. Alors là, apparemment, à part Rory, faites attention, regardez Rory, en fait le verbe abstenir va nous donner, pardon, comme participe passé, abstenu. Apparemment, tout le monde le trouve, d'accord. Donc c'est la même chose, hein. Faites des listes, notez-les, c'est parfait en tout cas pour l'instant. Batoul, faites attention, hein, c'est abs, donc il n'y a pas de E après le E, d'accord. C'est Monta, c'est parfait, Save the Best, c'est bien, Marois, c'est parfait. Berilla, faites attention, c'est avec un A, abstenu, et pas de E final, d'accord. Allez, on y va. Alors là, je vois que c'est un petit peu plus complexe. J'attends un petit peu, je vous laisse chercher. Je vois des bonnes réponses et des mauvaises. Alors, Rory qui espère secrètement que c'est la bonne réponse. Malheureusement, Rory, mais c'est pas grave, ce sera la bonne réponse après. Regardez, les autres majoritairement avaient à peu près trouvé. Ibrahim, c'était prêt, mais c'était pas ça. Malèche, faites attention, hein, c'est vraiment abstrait. Cristiano devrait rafraîchir le stream parce que vous êtes un petit peu en décalé. Sinon, les autres, apparemment, c'est à peu près correct. Tout le monde a vu que c'était abstrait. Donc, le verbe, c'est abstraire. Et le participe passé, c'est abstrait. Et nous continuons avec accroître. Bon, vous aurez remarqué que j'ai choisi des verbes qui sont irréguliers, un petit peu difficiles, parce que pour les autres, c'est facile. Donc, c'est pas très intéressant si c'est trop facile.
Alors, première réponse qui nous arrive de Suisse, effectivement, c'est Monsieur Ashley. Alors, regardez, malheureusement, c'est Joseph qui est juste après vous. Julia, Rory, youhou, Rory, vous avez trouvé. Ibrahim, félicitations. Berilla, très bien. Alicia, c'est bien. Cosmina, c'est pas la peine de mettre l'accent circonflexe, Cosmina, d'accord? Marwa, Tenzin, c'est bien. Rory qui dit, cet exercice est difficile pour moi. Pas de problème, Rory, c'est bientôt fini, d'accord? H-Bird qui dit a cru, Abir a cru, Cristiano a cru, d'accord. Bon, bah écoutez, on va essayer de le faire rapidement, comme ça vous n'allez pas trop souffrir. Excusez-moi encore. Et le verbe suivant, c'est acquérir. Alors, j'aperçois différentes versions. Je sais que vous allez me détester parce que ce n'est pas des verbes qui sont vraiment très très faciles. Regardez. Qui nous avait proposé? Marwa avait la bonne réponse. Berilla 71, félicitations. H-Bird l'avait. Cristiano l'avait. Tenzin l'avait aussi. Cosmina. Brigida a dit, je ne sais pas, c'est très difficile. C'est bientôt fini, Brigida. Ne vous inquiétez pas, il est très rapide cet exercice. On va s'arrêter bientôt. Allez. Regardez, c'était le dernier, c'est formidable, non? Alors, regardez, que se passe-t-il? Écrivez-moi une belle phrase, s'il vous plaît. Alors, Semanta est le premier à nous écrire une phrase. Merci beaucoup, Semanta. Et il nous dit, ils vont en vacances à la campagne. Faites attention, Semanta, souvenez-vous que campagne, vous l'écrivez C-A-M-P-A-G-N-E. D'accord, c'était juste le A. Mais c'était parfait comme phrase. Merci beaucoup. Alicia nous dit, l'enfant est en train de jouer. Alors, faites attention, soit vous dites avec la tablette. Sur la tablette, mais avec la tablette. Faites attention, tablette, on écrit ça T-A-B-L-E, T-T-E. D'accord? Donc c'était féminin, c'était bien une tablette. Cristiano nous dit le. Alors faites attention. Ouais. Alors attendez, je suis en train de regarder. Faites attention, Cristiano, parce que vous devriez conjuguer les verbes. Le bébé joue avec la tablette. En, et pas vraiment montant, parce que monter, c'est quand vous allez dans le train, en étant dans le train, d'accord? Anne nous dit, c'est très difficile pour moi. Bon professeur, mauvais élève, pas de problème.
Hey Anne, tranquille, ne vous inquiétez pas. On va faire des phrases juste après, Anne. Vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Tenzin nous dit, pendant le voyage, il se joue aux tablettes. Faites attention, Tenzin, il joue, hein, c'est pas vraiment pronominal, il joue avec la tablette. Ce serait plus simple, effectivement. Je suis encore perdu avec mes phrases. Yulia, vous êtes la suivante. Alors, c'est C-E-S-T, apostrophe, hein, la vidéo de voyage en train, la maman, M-A-M-A-N, amuse son fils masculin, son, il joue avec une féminin tablette. Très bien, H-Prod nous dit, il y a un train, attendez, j'ai déjà perdu, il y a un train qui est... Alors attendez, j'ai un doute. Il y a un train qui est le sur. Une femme et un garçon sont en train de jouer. Donc il y a un train, ça c'est clair. Et après ça, une femme et un garçon sont en train de jouer. Qui le sur? Retirez ça, c'est pas nécessaire. Cosmina Bellou nous dit la plus belle période dans la vie d'une maman. Et c'est vrai. Et d'un papa aussi, attention. Les papas sont importants aussi. Marwa nous dit la femme joue avec son enfant dans le train. C'est parfait, Marwa. I just called nous dit une mère joue avec son enfant dans le train. C'est parfait. Classis, ils prennent le train. Pour, faites attention, Classis, le verbe c'est se rendre, forme pronominale hein, qui est synonyme de aller. Pour se rendre en visite, en visite, chez les grands-parents du fils pour Pâques. P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Mais Classis, ça c'est. Idéalement, hein. Actuellement, personne ne voyage. Brigida nous dit un voyage avec la famille, un voyage en famille, si vous voulez. Joseph nous dit la femme avec son bébé sont dans le train en jouant un jeu sur leur tablette. Ils vont à Paris. Faites attention, l'accent dans l'autre sens pour le week-end. Parfait. Rory nous dit la femme et son bébé. Le bébé, mettez des accents si vous. Ah non, vous n'avez pas les accents. Okay. Le bébé apprend. Conjuguer le verbe apprendre, APPREND, la, féminin, la langue française en ligne et en direct avec Vincent. Oh, merci. Je ne suis pas spécialiste pour les enfants. Sa maman est très heureuse. Faites attention, adjectif, heureuse, HEURUSE, féminin. Parce que son bébé est très content. Très bien, merci. Rindra nous dit, elle montre quelque chose sur la tablette et le bébé fait un essai. Très bien, Rindra. Ice Cubes, la femme et l'enfant jouent avec la, féminin, tablette, TTE. Ok. Marwa, ils applaudissent quand ils gagnent. Très bien, Marwa, pour le verbe. Le verbe, c'est applaudir, un verbe du deuxième groupe. Berilla nous dit, dehors, il y a beaucoup d'arbres, c'est vrai. Nelson nous dit, il voyage. Faites attention, Nelson, quand on conjugue le verbe voyager, VOYAGENT. Et joue, JOUENT. D'accord, avec l'ordinateur, H-Port nous dit, I want to say there is a train that on it. Alors là, j'ai un doute. À vous lire, il y a un train? Yeah. Donc, d'accord, H-Port. Il y a un train dans lequel? Et vous continuez la phrase. Behal, attendez, Belhadef, excusez-moi, Belhadef nous dit, l'enfant joue avec sa maman sur une tablette, c'est parfait, Belhadef, merci beaucoup. Malèche nous dit, une mère avec l'enfant sont occupées avec un livre dans le train, Train. Très bien. Ensuite, Cospina nous dit, les sages disent, les petits-enfants, petits problèmes. C'est vrai. Cosmina, je confirme. Alors, l'exercice suivant maintenant, regardez, vous avez des phrases. Hop là, oh, je vous ai donné celui-là, voilà. Attendez. Voilà, j'ai fait une erreur technique, excusez-moi. Cherchez le mot qui manque, merci. Thank you.
Alors, je vois que c'est à peu près clair pour tout le monde, puisqu'effectivement, c'est le vin. Je n'aime pas le vin, d'accord? Souvenez-vous qu'on utilise l'article défini le, hein? Je n'aime pas le vin avec les verbes qui expriment l'appréciation. J'aime le vin, je n'aime pas le vin, je déteste le vin, je préfère le vin rouge, etc. Regardez la phrase suivante. Alors là, effectivement, la question, c'est de savoir quel est le genre, parce que vous savez qu'en français, vous avez soit les pays masculins, les pays féminins et les pays pluriels. J'ai fait des vidéos où j'explique les différences et j'explique comment trouver effectivement le genre du pays. Et là, Bolivie est féminin. C'est féminin parce que ça se termine avec un E. D'accord ? Il y a quelques exceptions, mais en général, les pays féminins qui sont comme ça finissent en E. Très bien, nous continuons avec cette phrase. Alors, regardons vos réponses. Effectivement, ici, ce serait sortir. Et comme vous voyez que c'est le deuxième verbe, puisque le premier verbe est au passé composé, est vu, il doit être à l'infinitif. D'accord ? Mary F., faites attention, vous allez mettre sortir. Hein? Donc, l'infinitif. Alors, Batoul, je ne connais pas le verbe que vous proposez, mais en tout cas, ça n'est pas celui-là, c'est le verbe sortir, Batoul, d'accord ? Marwa, faites attention, Marwa, le verbe doit être à l'infinitif, comme Alicia, s'il vous plaît, on devrait mettre sortir. Si vous pouvez écrire l'intégralité des phrases, ce serait formidable et idéal. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses en réécrivant les phrases. Alors regardons maintenant la phrase suivante et c'est celle-là. À vous de le faire.
Alors, Classis nous demande pourquoi sortir et pas sorti. Classis, c'est parce que c'est le deuxième verbe de la phrase et le premier verbe est conjugué. Donc, le deuxième verbe devrait être à l'infinitif. Je l'ai vu faire quoi ? Je l'ai vu sortir. Je l'ai vu manger. Je l'ai vu danser, etc. Alors, regardons maintenant la prochaine phrase. Alors, bien sûr que c'était une question concernant les prépositions. Et la préposition, c'était « à ». C'est un film « à ». Voir. Faites attention, c'est pas un film de voir. Erreur assez classique. Ce n'est pas comme Joseph a dit, c'est un film pour voir. C'est un film à voir. Très bien. Notez-le, s'il vous plaît, quelque part. Et vous verrez que vous vous en souviendrez plus tard. Regardez la phrase suivante. Alors, je vois qu'il y a des hésitations. Ashley est de retour! Peut-être qu'il dort, on ne sait pas. Ashley, il intervient, mais uniquement très ponctuellement. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Les autres sont derrière lui. Faites attention, puisqu'effectivement, il avait raison. Comme c'est souvent le cas, c'est avec jamais. Elle ne l'a jamais plus revu. Elle ne l'a jamais plus revu, effectivement. Nelson, rafraîchissez votre page. Hein? Refresh your page, Nelson, because it seems that you're a bit late. Allez-y. Oh, la suivante. Alors, regardons vos réponses. Il vivra, et la préposition c'était dans. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je suis en train de regarder dans. Oui, apparemment c'est dans, pas de problème. Tout est clair pour tout le monde, donc là ça va, on peut continuer. Ashley nous disait « Je ne suis pas un humain, mais nous savons bien que vous êtes un robot !» Allez-y, s'il vous plaît, impressionnez-nous, Ashley. Thank you.
Alors, regardons, et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas possible actuellement, puisque ce n'est plus possible de sortir. En boîte, effectivement. Faites attention, la préposition qu'on utilise, c'est pas à la, c'est pas à, c'est en, hein. Nous aimerions aller en boîte. C'est une expression, c'est pas vraiment dans la boîte non plus, comme avait proposé Rindra, mais c'est en boîte. Passang nous proposait sur boîte, c'est pas en boîte non plus. Ikram, jamais. Alors, pas vraiment. L'idée, c'était de trouver une préposition ici. Alors, donc, c'est en boîte. Cristiano nous proposait à dans une boîte, Cosmina. Ce serait négociable. Cosmina, ce serait négociable, mais il faudrait mettre Cosmina, le féminin, pour une boîte, et ce serait formidable. Julia avait raison. Batoul est là, effectivement. Finzark, très bien. Alicia, faites attention, Alicia, c'est en boîte. D'accord. Radouze, c'est la même chose. Pardon, Radou, c'est pas dans une boîte, mais c'est en boîte. Tatiana, ça n'est pas pour, mais c'est en. D'accord, très bien. Mais je pense que celle-là, elle est très utile. Notez cette expression, spécialement si vous aimez aller en boîte. Allez, on continue avec cette phrase-là. Alors, Ashley qui essaye désespérément. Non, 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 non. Moi, je veux there. Je veux un possessif, monsieur. Tenzin, c'est pareil. Tenzin, elle a testé, elle essaye là. Et c'est pas la solution. Je veux un possessif, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble maintenant. Effectivement, c'était le possessif. La plupart d'entre vous avaient trouvé leur. D'accord? Je connais leur fille. Très bien. Faites attention, Cristiano, ce n'est pas vraiment le fille. Ce serait la fille parce que c'est féminin. Mais ici, c'est vraiment le possessif. Hein? On est d'accord. C'est la même chose avec Oumena. Faites attention, ce n'est pas son fille, mais ça doit être le pluriel. Leur fille. Très bien, regardons. Oh, ben ça y est, c'est fini pour celle-là. Allez, hop. Oh, je vous écoute. Décrivez-moi cette photo ou la scène. Je ne sais pas si là. Ah oui, voilà, regardez. Ça bouge, c'est plus sympathique. On va mettre une autre musique pour aller avec. Alors, Rindra, je ne suis pas un grand spécialiste en musique et en instruments, mais ça n'est pas un saxophone. Ça, j'en suis sûr, Rindra.
Alors, Mary F. qui nous dit « La nuit dans une boîte ». Oui, c'est bien, effectivement. Oscar, non, ça n'est pas un saxophone, c'est une trompette. Alors, effectivement, Joseph, un grand spécialiste de la musique, probablement, nous dit un chanteur. Alors, on ne sait pas si c'est un chanteur. On va dire un musicien joue de, mettez l'article, la trompette. Effectivement, ensuite... Finzark nous dit, est-ce que c'est le saxophone ? Non, c'est une trompette. Anne est là, effectivement, il joue du jazz avec sa trompette. Ensuite, Marois, il joue de la musique classique. Alors ça, c'est peut-être, ou peut-être que c'est du jazz, comme disait Anne. On ne sait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Tenzin qui dit, il joue de la trompette. Faites attention avec trompette. On l'écrit comme Anne l'avait écrit. C'était parfaitement écrit. T-R-O-M-P-E-T-T-E. Et voilà, Tatiana nous dit, il joue de la trompette, serait très bien. Donc souvenez-vous, hein, l'idée c'était bien sûr d'avoir l'instrument. Le verbe c'est jouer. Et c'est avec la préposition de, jouer de un instrument, donc jouer de la trompette. Classis nous dit, il fait partie d'un orchestre et il joue, alors attendez, ça va trop vite, et il joue, est-ce que c'était là ? Oui, de la trompette. La lune est belle. Mais c'est vrai que la lune est sympathique et qu'elle est belle. Est-ce que c'est la lune, Classis ? C'est ça la question. Berilla nous dit, il joue de la trompette sous la pleine lune. Oh, je vois qu'il y a des gens qui sont très romantiques ici. Radu nous dit, un musicien joue de la trompette dans un concert. H-Bird, c'est la raison que la vie est supportable. Probablement, c'est vrai que vous avez raison, hein, la voix de la raison, H-Bird. Rindra nous dit, un trompettiste alors, oui Rindra, Yulia, la scène sombre avec la pleine lune, pleine, P-L-E-I-N-E, parce que c'est féminin, et un musicien romantique, M-A-N-T-I-Q-E, qui joue du jazz pour cacher sa solitude. Ice Cube nous dit, quelqu'un joue, faites attention avec le verbe, Ice Cube, joue, J-O-U-E, de la trompette, trompette, double T-E. Tenzin, il joue de la trompette, Passangle, musicien et chanson avec la trompette. Nelson, le musicien, joue du saxophone. Alors Nelson, c'est pas vraiment du saxophone, c'est une trompette. Aujourd'hui, nous dit Rory, nous écoutons la musique de la tron, T-R-O, trompette. Il est joué... Ouais, c'est un petit peu bizarre votre phrase. Il joue un chef-d'œuvre pour tout le monde. Cette musique est, faites attention, c'est féminin, très belle. Belle, belle, belle. Vous mettez, Rory, l'adjectif au féminin. Belle. Ensuite, Malèche nous dit un homme qui joue un saxophone. Alors, c'est pas un saxophone, c'est une trompette. Je m'excuse. C'est pas grave. Batoul nous dit trompettiste jouant de la bonne musique. Mettez un E final, Batou, pour musique. Ashley, j'espère que le festival de Montreux ne sera pas annulé. Alors Ashley, l'année dernière, j'étais à Montreux pour le festival, pour le parking, c'est une horreur. Finzark nous dit, il joue de la trompette, la musique est magnifique, les fantômes sont heureux et ils dansent sous la lumière. Faites attention, Finzark, sous la lumière, d'accord ? Ensuite, personne ne joue la musique. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Si vous voulez conjuguer le verbe jouer, faites attention, vous devez écrire J-O-U-E. Et ce sera parfait, merci beaucoup. Il réveille l'équipe d'assaut. Et Ashley nous dit saxophone. Mais non, c'est pas... Ah non, c'est pas un saxophone. Je veux bien être accepter beaucoup de choses, mais ça n'est pas un saxophone, c'est une trompette, messieurs, dames. Allez, attention, regardez maintenant, si vous voulez essayer de m'impressionner avec... Attendez une seconde. Voilà. Donnez-moi, s'il vous plaît, la traduction à l'infinitif de cette expression ou ce verbe.
Rory nous propose le saxophone horizontal. Pourquoi pas? Soyons tolérants. Alors, nous sommes d'accord, allez à l'école, allez en cours, c'est juste pour vous donner une deuxième option. Si vous ne pensez pas vraiment à l'école, mais si vous parlez de l'université ou d'un niveau supérieur, en général, c'est plutôt aller en cours. Aller à l'école, c'était parfait. N'oubliez pas l'accent, parce que c'est la préposition, hein, à l'école, et l'accent sur le E, si c'est possible. Regardez la prochaine. Alors, Batoul et Joseph et Tatiana, Anne aussi, donnez-moi les infinitifs, s'il vous plaît. C'est gentil, merci. Alors, et là effectivement, en général on dit en français, et en France en tout cas, aller à la salle. Vous pouvez dire aller à la salle de gym, mais en général on va pas vraiment dire aller à la gym. La gymnastique, c'est quelque chose de différent. Donc aller à la salle ou aller à la salle de gym. On continue. Alors, regardons ce que vous avez proposé. Dans la plupart des cas, tout était à peu près correct. La préposition, c'est à. Effectivement, en général, on va plutôt dire une. C'est pas la peine de dire fête, en fait. Allez à une soirée. Joseph doit nous quitter. Au revoir, Joseph. Bon week-end. Et faites bien du sport. Allez, regardons la suivante. Et la suivante est relativement facile.
Alors effectivement, la première version qui nous est proposée, c'est celle d'Ashley et qui nous met l'impératif. Donc c'est un ordre en fait. Hein. Ashley nous donne un ordre et Ashley nous dit « Allez au travail !» Alors personnellement, j'attendais plutôt l'infinitif, mais bon, c'était correct. Phonétiquement, c'était parfait. Faites attention, Anne, vous avez écrit « Traville ». Je pense que vous avez manqué le « A » sur votre clavier. Cémonta nous dit « Allez au », faites attention, « Boulot ». Boulot, B-O-U-L-O-T. Donc c'est du français. Ouais, d'accord, vous l'avez retiré. C'est du français parlé, c'est tout à fait correct, hein, on est d'accord, ça dépend du contexte, comme toujours. Tatiana, oui, faites attention, travail Tatiana, regardez sur l'écran, vous voyez qu'on l'écrit un tout petit peu différemment. Vous avez écrit en fait comme le verbe, mais là c'est un substantif, c'est un nom, d'accord? Alors voilà, donc là il n'y a pas de problème, allez au boulot. Oui, faites attention, Cémenta, parce que boulot c'est vraiment B-O-U. L-O-T. Quand vous écrivez, c'est mon tabulo comme ça, c'est un fruit de mer. Donc faites attention. Et Ashley, très modestement, qui nous dit « Je suis le chef ce soir ». Incroyable. Allez, regardez cette phrase-là et j'attends vos réponses. Rory nous propose effectivement, donc travail masculin, work, oui, travailler to work. Voilà, c'est ça la différence. Merci beaucoup Rory. Alors, Rory nous propose d'aller aux discothèques comme dans les années 80. Non, l'expression, c'est aller en boîte. Aller en boîte, on a vu ça tout à l'heure, il y a quelques minutes. Quelques minutes, on a vu ça dans les phrases. Souvenez-vous, c'est aller. Alors, Cémonta nous propose en boîte. Vous vous rapprochez, Cémonta, mais malheureusement, c'est en boîte, parce que c'est féminin, aller en boîte, on n'utilise pas trop disco, discothèque, donc c'est vraiment aller en boîte. Allez, regardons la prochaine. Alors ici, c'est effectivement le verbe, hein. Nous sommes d'accord que nous cherchons des verbes. Finzark nous demande si c'est en boîte. Et oui, je confirme, Finzark, c'est aller en boîte. Regardez, Batoul, juste au-dessous de vous, l'a écrit correctement. Parfait. Alors faites attention, je ne parle pas de l'animal, Tenzin. Tenzin, ça n'est pas l'animal, c'est plutôt le verbe. Rory, ça n'est pas l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait Ashley qui nous avait proposé bavarder. On avait Ice Cube. Ice Cube, je l'accepte. Chatter, je l'accepte. Alors chatter, la différence, c'est que c'est bavarder, mais uniquement par internet ou par le téléphone, d'accord? Ça, c'est chatter. Si vraiment c'est une situation traditionnelle où vous discutez de façon informelle avec une personne, c'est bavarder. Nous sommes d'accord? Alors, parler, c'est un petit peu trop général, Alicia, peut-être. Bavarder, oui. Nelson, faites attention, hein. Bavarder. Regardez votre écran, vous verrez que c'est un tout petit peu différent.
Malèche, j'ai expliqué hein, pour chat la différence de parler ou de bavarder ou de chatter. Hein. Berilla, discuter, oui, discuter, ce serait acceptable aussi. Bavarder, on a le sentiment que c'est plus léger quand même. Hein. Rindra nous propose bavarder. Alors, to chat, oui, Svetlana nous demande si c'est anglais. Oui! C'est le verbe, hein, Svetlana, to chat. Hein. Bavarder, nous sommes d'accord. Passant nous propose encore le chat. Mais c'était un verbe que je demandais. Allez, continuons avec un autre verbe. Ce sont des verbes. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est conduire Ice Cubes. Faites attention parce que c'est avec un E final, d'accord? Les autres, vous l'avez trouvé, effectivement. Très bien. Verbe du troisième groupe. Je conduis, tu conduis, il, elle conduit. Nous conduisons, vous conduisez, ils, elles conduisent. Allez, ce sera probablement le dernier exercice pour aujourd'hui. Et c'est comme d'habitude, une vidéo. Alors regardez, mais là c'est trouver trois mots qui sont liés à cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, Yulia est la première. Un casque. Faites attention, quand on écrit casque, on écrit CASQUE. Un téléphone et un homme, c'est parfait. Cristiano, s'il vous plaît, mettez les articles. Hein, une rue, hein, comme ça c'est plus intéressant. Tenzin, merci, j'apprécie beaucoup votre travail. Je vous en prie, Tenzin. Le plaisir est pour moi. Oscar, l'homme, le portable, la ville. Très bien. Rowena nous dit un portable. Rindra nous dit écouter, sourire, jouer. Elle voulait mettre des verbes, c'est très bien. Casque, vous avez corrigé. Semonta nous dit sourire, la rue, la lumière. Lumière avec un accent grave, Semonta. Mais peut-être que vous ne l'avez pas sur votre clavier. Marois nous dit le portable. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Marois, c'est masculin. Le portable. Alors, ensuite, ben voilà, je suis perdu, comme d'habitude. Je suis perdu. Non, Nin, Anne nous dit, il écoute. Oui, faites attention. Écouter, c'est COUT. Hein. Bien sûr, hein, mais c'est le O qui manque. De la musique. Musique IQUE. Je le dis régulièrement. La musique. Les mots avec IC en français, c'est toujours IQUE. Une exception publique. Marois, écoutez, d'accord, avec un accent, ce serait sympathique, mais peut-être que vous n'avez pas d'accent. Berilla nous dit rire. Très bien, vous êtes quelqu'un de positif, Berilla, ça fait très plaisir. Ice Cubes, un garçon, la musique, l'édifice. Très bien, l'édifice avec un accent aigu, et édifice. Je vois que vous avez un CCDI, donc j'imagine, Ice Cube, que vous avez un accent aigu pour édifice. Tenzin, une personne, un portable, et faites attention, Tenzin, masculin, un casque. Alors, Rory nous dit écoutez, chanter,
Danser. Eh ben voilà, c'est quelqu'un qui sait vivre. Ce sont les choses importantes de la vie, Rory. C'est bien. Tatiana, bavarder, sourire, écouter. Mettez à l'infinitif, hein, si vous voulez mettre votre verbe à l'infinitif. Écouter, ER. Batoul nous dit un jeune homme, écouter la musique. Très bien. Idéalement, Batoul, avec les articles, c'est plus sympathique. Marwa dit le casque. Svetlana nous dit un homme, le passage, la fenêtre. Finzark nous dit les lettres. Et bien sûr, les fantômes, les dents, les yeux, le nez, la rue, le sourcil, le portable. Très bien, Abir nous dit le portable, bavarder, le casque. Faites attention, Abir, casque, c'est masculin, le casque. Rowena nous dit la musique, Alicia nous dit. Alors faites attention, Alicia, garçon, c'est pas garçon, c'est garçon, la musique, le téléphone, Malèche, la musique, marcher, infinitif, ER. Écoutez, ER. Cosmina nous dit le jeune, le rêveur, la technologie. Classis nous dit les bâtiments, un t-shirt. Faites attention, sourire, c'est masculin, un sourire. H-Bird nous dit rire, le portable, le garçon. Cristiano nous dit une rue. Je ne sais pas pourquoi vous insistez, mais oui. Ah oui! Maintenant, assez long, hein? Avec le fait que vous êtes à l'intérieur, tout le monde est à l'intérieur. Effectivement, Cristiano, une rue, c'est quelque chose d'incroyable et je comprends votre enthousiasme. Alicia nous dit un garçon. Entertainment Zone nous dit écouter, regarder et parler. Très bien. Ensuite, Passang nous dit, il écoute la musique sur, faites attention, le portable. Musique, IQUE. Radou, un homme heureux, écoute de la musique sur son portable. Nelson, bavarder, un homme, très bien. Ashley, une ruelle, effectivement. Comme dans le centre de la vieille ville de Genève, qui est assez sympathique. Un caméraman. Ivre. Mais non, c'est artistique, monsieur. Une discothèque silencieuse. Alors, Victoria nous dit, il parle avec ses amis. Ouais, faites attention, peut-être IS, si c'est le masculin ou le féminin, je ne sais pas. Faudra discuter. Finzark nous dit la vie. Marois, il écoute de la musique en souriant. Très bien, Marois, avec un beau gérondif. Félicitations. Tenzin nous dit, je coupe ici le plaisir. Très bien, Tenzin doit partir. Au revoir, nous aussi. Marianelli, conduire avec un E final. Ashley, si vous avez besoin de parking, ma copine est la chef du club de jazz du Fermont. Oui, enfin, on est d'accord que le parking là-bas, c'était compliqué, hein, une horreur. Anne nous dit, j'ai trouvé le livre des passages, livre de Walter. D'accord, très bien. On est loin là, on est très loin. Bah, écoutez, Adriel nous dit, la rue, un homme, faites attention, la moustache. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. C'était vraiment très, très sympathique. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend d'où où vous êtes. Et puis, rendez-vous probablement demain à la même heure et je vous tiendrai informé. Merci beaucoup et au revoir.